Et il est l'heure de retrouver notre séquence La Bonne Parole avec Jean-Gabriel Couesnot, diacre de la cure de Chastavel. Mais il n'est pas exceptionnellement avec nous ce soir en studio. Il est en voyage en Israël où nous le retrouvons tout de suite. La connexion n'a pas l'air top top. Allô, est-ce que vous nous en... Jean-Gabriel? Jean-Gabriel, est-ce que vous nous entendez? Yes. Oui, je vous entends bien. Très bien. Bien, vous savez, on a de la chance, il y a une accalmie. C'est vrai? Parce que tout à l'heure, on n'aurait sans doute pas pu faire ce duplex à cause des tirs de roquettes. C'était assourdi. Des tirs de roquettes à Jérusalem? On n'était pas au courant qu'il y en avait en ce moment. Enfin, c'est... Hein? Bon, c'était peut-être juste des feux d'artifice, moi je sais pas. Vous savez, les gens sont vraiment joyeux par ici. Faut dire qu'ils ont de quoi faire péter pour remercier Donald. Qu'est-ce que vous faites en Israël, Jean-Gabriel? Ben, je suis venu célébrer et soutenir le plan de paix proposé par Donald Trump, qui apporte, comme il sait si bien le faire, la prospérité et la grâce dans cette région. Ouais. Oh, mais moi, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Voir enfin Jérusalem, la grande Jérusalem, apaisée. Mais alléluia, Attendez, apaisée, c'est loin d'être le cas, puisque les Palestiniens ont refusé ce plan de paix de Donald Trump, un plan élaboré sans même les consulter. Donc, s'en fiche de leur avis à ceux-ci. Que vous organisez votre agenda de la semaine, entre les rendez-vous chez le typhon, le toiletteur pour le chien, le pilote, vous ne donnez pas son avis à la femme de ménage ou quoi? Non mais attendez, c'est quand même eux qui sont les plus concernés, puisque le plan évoque la création d'un État palestinien. Pourquoi vous riez? Jean-Gabriel, pourquoi vous riez? Un État palestinien! Oui, c'est moi, vont tellement pas ensemble que je chope la rigolette! Non mais... C'est plus fort que moi! C'est comme si vous compariez une cabane au fond du jardin à une résidence secondaire! Non mais... Non! Ce qui compte dans ce plan de paix, c'est que nos amis Arouflaquette ont enfin la main mise sur Jérusalem pour des siècles des siècles. Et pourquoi c'est important pour vous, ça? Pour nous, les évangéliques, c'est fondamental. Mais pourquoi c'est fondamental? À cause de l'avènement de la seconde venue, la parousie, le retour de Jésus, qui ne pourra avoir lieu que lorsque tous les Juifs seront revenus en Judée-Samarie et qu'ils auront enfin reconstruit le temple de Jérusalem, comme c'est écrit. Oui. Ah, on a un petit problème de... C'est pour cela que nous soutenons Israël. OK. C'est pas uniquement par culpabilité. C'est aussi pour leur montrer qu'ils se trompent, l'équipe. Comment ça, qu'ils se trompent, l'équipe? Qui? Mais oui, vous savez, les Juifs, en tout cas les bons, les extrémistes, ils croient que le Sauveur va venir lorsqu'ils auront la paix en Israël. Ben, tout comme vous, non? Vous aussi, c'est... Mais non, non, non. Nous savons qu'il est déjà venu. Oui. Qu'il va revenir. C'est pas pareil, pas pareil du tout. Les Juifs l'attendent encore, c'est bedoum. Mais lorsqu'il reviendra, sans doute tout bientôt maintenant, ils seront bien obligés de reconnaître qu'ils se sont gourés. D'accord. Et ils seront bien obligés de l'accepter et de le louer que Christ sera devant eux et leur dira « Regardez, c'est moi, vous voyez, je suis là, je suis de retour. » C'est les chrétiens qui avaient raison. D'accord. Et vous qui vous mépreniez depuis tout ce temps. Très bien. Et les Palestiniens? Mais on a envie de leur refermer leur caquet. Les Palestiniens, alors? Pardon? Les Palestiniens, là-dedans. Les quoi? Les Palestiniens. Là, ça coupe de nouveau. Les quoi, les pôles? Les Palestiniens, Gabriel. Je vous entends pas. Ouais, les jardiniers? Non, laissez tomber, c'est pas qu'est-ce grave. Qu'est-ce que vous dites? Non, 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 très bien. On va vous laisser, je crois. Ben, je crois que c'est mieux. Ouais, d'autant que j'ai mes amis Ehud et Naoum qui s'apprêtent à allumer un Vésuve. D'accord. Il va falloir que je vous laisse. Très bien. Je ne vais pas rater ça. Très bien. Jean-Gabriel Couesnot, en direct de Jérusalem. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.